Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorfang pour un retry, la retry, l'essai. Le nouvel essai donc de la colère des dieux avec ce coup-ci Pereira et Miguel, donc le capitaine Haddock et non pas Saran. J'ai fait le début en fait comme un couillon, je me suis aperçu que ça n'enregistrait pas, donc je suis désolé, mais vous n'avez rien raté, mais genre vraiment rien. Ici, genre la case sur les deux cases sur lesquelles je me suis déplacé, c'est il ne se passe rien. Ah, d'accord, merci, au revoir, bonne journée. Donc installez-vous, ça va être long, c'est parti. C'est parti. Là par contre il va se passer quelque chose. Et ça va pas être très agréable. D'ailleurs le carburant c'est pas cool. Un temple dans le désert, l'entrée du temple a été ouverte par la force brute. Vous sortez vos armes et vous progressez dans les couloirs jusqu'à ce que vous arriviez enfin à la salle centrale du temple. Des zombies. Malheureusement vous avez fait assez de bruit pour alerter les soldats allemands qui attendaient, qui attendent en embuscade. Qui attendaient normalement mais bon. Ok. Donc bon, ça devrait passer. La mission d'avant, elle était passée. C'était passé avec ces deux-là, ça devrait passer à nouveau avec ces deux-là. Je crois qu'on a un pro du couteau et un pro du pompe. La phase de planification. Si. Ah oui, alors attends, est-ce qu'on peut voir tout, tous les nazis? Alors, on en est un là. 1, 2 et 1, je sais pas où il est. J'espère qu'il sera là. Hop et hop. Alors, à propos du couteau, ton couteau il sort du combien? Du 27-35, c'est un peu léger. 26-34, c'est un peu léger. Parce que ce truc là a 34 PV. Faut que je sois sûr de te sortir, mec. Je suis désolé, hein, mais faut que je sois certain de te sortir. Yes, bah j'ai bien fait, hein. Il lui a laissé un demi-PV. Ah ouais, tout pas. Ah oui, putain, toi c'est pareil, quoi. C'est même cinéma, quoi. Mais jamais tu vas pouvoir tirer dessus, si je te mets là. Tu vas me faire le mec, ouais, je peux pas, tout ça. Écoute, tant pis, hein. Non pas Saddam. Ah mais non, mais c'est vrai qu'il a un bonus contre les nazis. J'avais oublié. Il a fait beaucoup de dégâts quand même. Mais c'est vrai qu'il aime pas trop les nazis. C'est vrai que c'est pas trop sa cam. Merci d'avoir joué. Parfait. Vas-y, donne-moi tout ce que t'as. Donne-moi du sniper dans du Nazi. What? Mon Nazi il est pas mort. Ça c'est un drame. Ah, j'ai plus que le coup de couteau normal. Tu mon Nazi. Oh mon Nazi il est pas mort. Aucun des deux n'est mort. Oh, je suis dégoûté. Je suis un peu dégoûté. Ah bah là ça passe. Hein. Ah ouais, pleine bouche. Hein. Allez hop, pleine bouche. C'est ça. Et ben mince alors. Coup de couteau. On se reverra en enfer. Ouais, je passe pas vraiment prévu d'y aller. Hein. Ouais, je suis obligé de me mettre là. Puis go encore une balle. Hein. Ouais, oui, t'as plus de balles. Ouais, je connais ça, ouais. Bon après faut bien tirer des cartouches hein, parce que d'habitude j'en tire jamais hein. Puis là il y en a qu'un sur deux qui tire donc ça va. Ouais il me faudrait des flingues un poil plus puissants. Mais genre un poil. Parce que ça manque mais vraiment de rien de pouvoir one shot les mecs quoi. Il faudrait que je me trouve ça. Bon j'ai abîmé un peu de cuir, ça va. C'est pas non plus bon, après c'était le premier vrai combat. Au premier combat, si tu tombes les armures, déjà t'es pas fier. Bon, allons chercher un habit. Hein ah, ça charge, le jeu est en train de réfléchir. D'accord. Ce jeu réfléchit beaucoup, je trouve. Ah oui, mais c'est parce que attends, oui. Révèle tous les objets.
Ah, faut pas que j'oublie que je peux utiliser à l'infini du. Qu'est-ce que dans le butin, ça c'est nul. Je peux utiliser à l'infini de la grenade, c'est vrai que j'en avais en réserve. J'avais oublié ce détail. Ah, mobylette. Mobylette. Quelque part dans le désert, vous vous frayez un passage jusque dans les profondeurs de la chambre funéraire où vous trouvez un sarcophage ancien. Son contenu est éparpillé sur le sol, l'œuvre de pilleurs de tombes. Bah cool. Allez. C'est cool. Un caravansérail abandonné. Vous tombez sur des ruines, peut-être un caravansérail abandonné depuis longtemps. Le vent du désert et la chaleur torride ont fait beaucoup de dégâts aux bâtiments détruits. Dans la cour envahie par la végétation, vous trouverez un puits à sécher. Si vous trouvez quoi, s'il vous plaît. Bon, vous découvrez quelques marches grossières qui mènent au puits. Le sable autour du puits porte la trace d'innombrables pas. Descends. Moi, je suis venu chercher un bro. Moi, je veux mon bro. Oula, il y a un petit pactole de nazi. Le mystérieux puits a attisé votre intérêt. Vous descendez sans plus attendre en vous aidant des saillies de pierre construites sur la paroi du puits. Après avoir parcouru les tunnels souterrains, vous apercevez la lueur de torches qui scintillent sur les murs d'une salle devant vous. Bientôt, vous entendez des voix fortes et menaçantes. Alors. Alors, on n'a pas tout ça. Hein. Nous, on n'a rien là. Ah non, c'est pas les trucs trop furtifs là, on n'a pas ça. Hein. Vous jetez un œil à l'angle et vous apercevez de nombreux soldats allemands au milieu du groupe. Se trouve un prisonnier qui est interrogé brutalement par les soldats. Ils sont tellement absorbés par l'interrogatoire qu'ils ne vous remarquent pas. Vous faites une pause pour décider quoi faire. On décide d'ouvrir le feu. C'est la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir le feu. Ah, attendez, je me sers un café en même temps. Ah bah ça va être long, donc café. Hein. Et petit kawa. Un jour, je vous ferai un ASMR de cafetière. Un jour. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on voit tout le monde. La troupe de choc, il est là, c'est lui là. Hein. Ok. Donc là on a moult bocherie. Est-ce que j'ai pas envie d'aller taper directement dans le tas comme un sac? À juger. Quête-moi ce chien. Où est-ce les clébards? Yes. Et bonne journée, mon gars. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai envie de grenade là. Lancer une grenade. Grenade, excuse-moi, comme ça. Ah, je peux pas, il faudrait que je me décale pour la lancer ici. Ça me va complètement. Bah, on va se décaler, vieux. Hein. Je vais venir genre là. Et balance-moi une grenade là. Voilà. Ça, c'est bien. Moi, ça, j'aime beaucoup. Hein. Là, tu viens ici. Il reste combien de PV à ce sac? 21. Au moins 27. Allez, salut. Dégage-moi ce con. L'autre, il est obligé de ramener son coup parce que je crois qu'il est trop loin. Ah oui, mais non, mais ça, c'est juste une fosse. C'est pas un. Hein? Oh bah, il a été sympa. Oh bah. Oh bah. Oh bah, merci, monsieur. Ah bah, faut le dire quand vous êtes sympa comme ça. Moi, je. Moi, je dis pas non. Hein. Allez, le petit coup de couteau sanguinolent. Voilà. Et toi pour le lore tu te précipites vers le prisonnier. Parce que ça c'est du lore, monsieur.
Et voilà. Ouais, on charge les armes, je crois qu'on n'a pas tiré. Si j'ai tiré une balle, je crois. J'ai tiré une balle avec Miguel. Ah, c'est vraiment le duo de choc. C'est vraiment. Ah, ils vont bien ces deux-là, je les aime bien. Ils sont efficaces, hein. Un peu bourrin d'ailleurs aussi. J'aime beaucoup. Si j'avais des armes, toujours comme j'ai mis aux deux premiers, un poil plus puissante qui permet de one-shot les gens, ce serait parfait. Histoire de bien pouvoir rouler sur le jeu, sans aucune forme de respect. Alors, du matos. Pouit. Oui, bon, bah. Ah, des bandages. Continuez. Vous libérez la prisonnière de ses liens et elle vous serre la main avec effusion. Natalia, merci du fond du cœur. Sans vous, ça se serait mal passé. Eh, hey, on dirait que vous avez besoin d'aide. Vous n'auriez pas de place pour une passagère de plus? Si. Si, si, j'ai de la place pour un médecin avec une nouvelle armure et tout. Et toi, tu es quoi? C'est quoi ton super spécial? Ah oui, c'est un infirmier et ingénieur. C'est ça. Bien sûr, ajoute-toi à l'équipe, hein, tout de suite. Je aime te dire, allons plus loin. Je crois voir que tu as besoin de ça. Voilà. Miguel, claquer une grenade. Je vais reprendre mon gros. Ah, formidable. Bon, on a un vieux qui est un petit peu amoché, mais ça va. J'ai envie d'aller ici, j'ai envie de voir ce que c'est. Voyageur. Succès déverrouillé. Ah, parce que j'ai dû taper un certain nombre de mètres. De cases, un truc comme ça. Un site de fouille. En utilisant les rochers environnants comme couverture, vous montez jusqu'au camp ennemi. Un nombre important de soldats allemands y entreprend des fouilles. Ils ont découvert l'entrée enfouie d'un temple. Oui, hein. Café. Ah. Vous vous demandez s'il faut prendre le risque d'une attaque. En vrai, ça a l'air assez important comme truc, hein. On est trois, ouvrir le feu. Ça a l'air d'être quand même un site assez badass, quoi. Donc là, je sais pas combien ils vont m'en mettre. Ah, s'ils m'en mettent 8, quand même, ça risque d'être un peu sport. En fait, ça dépend aussi surtout du nombre de chiens. Parce que s'il y a beaucoup de chiens, ça va, les chiens, ça se one-shot. Tout le monde les one-shot, donc ça va. C'est extrêmement dangereux quand ça arrive aux clauses. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 dont un choc. Il doit y avoir deux chiens. Je pense que l'autre que je vois pas, c'est un chien aussi. Le choc man, il est là. Deux fusiliers ici. Et le yinche là. D'accord. Ils sont tous face à moi. Face à moi. Est-ce qu'on utilise le site de fouille pour dissimuler? Juste voir si on est repéré ou pas. Oui. Oui, on est repéré en fait. Ah non, c'est un soldat l'autre, c'est pas un chien. Oh. Oh, Miguel, Miguel, faut que tu fasses un strike. Miguel, Miguel, il y a besoin que tout le monde fasse une strike. Miguel, si. Si, Miguel. Est-ce que. Non. Est-ce que Miguel, tu peux grenade de là? Oh Miguel! Oh Miguel! Oh Miguel, tu es hors de tu trois ennemis en une seule attaque! Oh! Oh Miguel! Je t'aime, Miguel, si. Tu ne peux pas savoir à quel point, mais si. Je t'aime! Pourquoi fou? Captain Haddock. Oh putain, t'es loin de ton Nazi là. Bon, on va le laisser venir. Vas-y, cours, papy. Allez. Ramène-toi. Quoi?
Mais le couvert intégral? What? Le couvert intégral? Si on peut économiser une cartouche, ouais, super. Ennemi repéré. On a trouvé un gars. Il est où? Ah, il est là. Oh putain, oui, il est loin quand même. Ça va. Ça va, on a un peu de marche pour le finir. Mais ouais, tu lui vois une patate? Voilà. Non, choupette, tiens, viens lui mettre une patate un peu. Viens prendre un peu d'XP là. Tiens. Petite gifle de femme, à cette époque c'est bien humiliant comme il faut. On peut compléter avec un petit chè par dessus, on est parfait. Ouais bah fin du tour. Parce que je pense pas que l'autre il pourra tirer de là où il est. Ah mais c'est juste il bouge pas de là où il est en fait, il a décidé. Il s'est dit je crois qu'on bosse il est mort, je crois que tout le monde est mort. Je vais prendre une grande décision pour ma carrière future, je vais rester planqué. Ça serait plus sage que je le contourne par la gauche, parce que j'ai plus de couvert. Donc on va faire ça. Ça va être un petit un poil plus long, je suis désolé, mais c'est un poil plus sage aussi. Je vais continuer à vous déplacer, par contre je vais essayer de vous restacker un peu là, hop. Que vous n'ayez pas trop de différence de move. Je crois que c'est Miguel qui a le plus d'armes, hein. Pour le forcer un peu à avancer aussi. J'ai pas encore tiré une cartouche, il serait peut-être temps. Non, j'avais pas l'armure intégrale. L'armure intégrale, c'est le mur. Le bouclier, ça doit être 50%. Ok, je peux du tout tirer de là. Formidable. On va le laisser approcher si Miguel a le plus d'armure. Allez, c'est parfait. Ah, magnifique, bravo à moi. On recharge la seule cartouche qui a été tirée. Ah, l'économie de munitions est maximale. On est pas mal. Faut dire, oui, c'est Natalia qui tire deux balles par deux balles aussi, qui peut tirer. Elle a vite des munitions quand elle s'y met. C'est quelque chose. Et on va voir si ça valait le coup de se friter tout ça. Faudrait de quoi réparer des armures. Ou alors des meilleures flingues, comme vous voulez. Je suis pas difficile. 35 munitions, tellement. On est bien, hein. On est bien en munitions. Après votre victoire, vous explorez le temple. Qu'est-ce que les Allemands pouvaient bien chercher ici? Vous trouvez bientôt un puits profond qui conduit à l'intérieur de l'ancien bâtiment. Vous descendez, accroché à des cordes. Après une brève exploration souterraine, vous arrivez dans une salle décorée de hiéroglyphes et de fresques murales. Les Allemands ont brisé plusieurs coffres en pierre et ont commencé à installer des caisses métalliques. Cependant, ils n'ont pas encore réussi à enlever leurs trouvailles. Strike. Un fragment de papyrus. 45 boules. Petite pointe de flèche en obsidienne, 20 boules. Ok, et du carburant. Ah, c'était un peu d'huile quand même. C'est un peu de la merde. C'est un peu de la grosse merde. Ouais, je suis désolé de dire ça, mais c'était un peu très nul. Voyageur 1, visiter 50 lieux. Ah, il y a une récompense à obtenir.
j'ai pas eu ma récompense. Mais comment je récupère du coup ma récompense? Option. Ok, non mais c'est bon. C'est quoi ça? C'est le glossaire, ça. Ok. Ok. Ah, il y a quand même des ennemis qu'on n'a jamais rencontrés en Asie. Hein. Option, zone protégée. Ok. Je suis en train de voir hein, s'il y a des trucs de voyage, machin, à récupérer. Non, il n'y a pas. Ah, attends, il y a encore des marque-pages là. Codex. Équipe, trophée. Ah, c'est là, c'est dans les trophées. Je peux récupérer mes thunes. Voilà, merci. Espèce de sac, au moins mon pognon. Ah, ça c'était sans XP direct. Oh. Oh. Il y a du matos dans tous les sens à récupérer. C'est trop bien, moi. Okay. Ah, d'accord, ok. Super, cool. Et ben voilà, on a trouvé où est-ce que c'était, c'est cool. Quelque part dans le désert, alors que vous vous reposez au bord de la piste, un étrange bourdonnement remplit l'air. Vous décidez d'en savoir plus et de suivre le son qui devient de plus en plus intense. Pendant que vous escaladez une crête, vous sentez vos entrailles vibrer au rythme du bourdonnement. De la crête de la dune, on peut voir une profonde dépression dans le sable, au centre de laquelle se dresse un monolithe d'un noir absolu, entre d'étranges formations rocheuses. Pas d'un noir absolu. Le bourdonnement semble émaner de l'étrange objet. Bientôt vous atteignez le pied du monolithe, il règne ici un silence presque total, mais l'air est comme chargé d'électricité. Oh, je sens que toucher le monolithe ça va pas être une bonne idée. Inspecter. Vous faites le tour de la zone et le ronronnement recommence à plein volume dès que vous vous éloignez de quelques pas du monolithe. Soudain, Pereira pousse un cri d'excitation. Vous précipitez et le découvrez à genoux sur le sol occupé à déblayer le sable. Pop, pop, pop. Oh, le vieux fic chaussette quoi. 8$, meilleur objet du jeu. Le vieux blaireau. Ça marche. C'est le fusil que j'ai déjà, je crois. Et ça, je prends ouais, avec grand plaisir. Quoi? Comment ça, je peux pas en prendre plus? Oh, la grosse baise! Mais non! Mais non. Utilisé sur Pereira. Utilisé sur Miguel. Ok. Ouais, ce fusil-là, c'est le même que le tien. Hein. Ouais, c'est le même. Hein. Ça va au butin. J'avais dit de meilleurs objets, les gars. On va qu'on check aussi où est-ce qu'on en est de la map là. Mais dès que vous repérez le drapeau nazi, vous vous arrêtez immédiatement pour repérer un éventuel danger. Vous comprenez rapidement qu'il s'agit d'un drapeau abandonné et vous repartez. Parfait. Oh, un lieu non visité. Un lieu non visité, mais qui sonne comme étant quelque chose de très beau. Se reposer. C'était bien. Je suis très content. Je suis très content. Bon, le prochain combat, ok, puis la passe. On est pas mal. Oula. Vous sentez la présence de la mort bien avant de la voir. Couloir après couloir, vous arrivez enfin au centre du bunker et la source de l'odeur fétide. Un groupe de créatures inhumaines est accroupi parmi les cadavres mutilés. Elles ne vous ont pas encore repéré. Est-ce que j'ai envie de me taper des oubards? Parce que là c'est optionnel et je suis pas obligé de me les taper. Je sais pas s'ils vont apporter grand chose en fait les zombies. Y'a rien à looter quoi sur eux. Hein. Ça va être trois conneries, des blaireaux, des machins et les petites tutes, j'en ai pas besoin quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zombies là déjà. 6 zombies plus ce qu'il y aura sur les côtés, j'ai pas envie de me les taper. Je me suis déjà tapé mais je suis pas. Je viens de réparer mes armures, c'est pas pour les gaspiller sur ces cons.
Alors, une cabane isolée. Les bâtisses semblent appartenir à un riche éleveur. En vous approchant, vous découvrez un homme à l'air inquiet, assis devant les enclos à chameaux. Je suis Buddy, par le malheur, ma meilleure chamelle a de la fièvre et ne bouge plus. Si elle a infecté les autres, je suis ruiné. Jetez un coup d'œil au chameau, on a une infirmière avec nous. C'est plus, regarde, ça va bien se passer. Petit doigt dans le pétou, hop là, t'as vu, elle est debout. Natalia examine l'animal malade, elle se gratte la tête, sort une poignée de comprimés de sa mallette et les donne à l'animal. Peu de temps après, le chameau semble déjà aller mieux. Ah, une tournée de grog. On a gagné 100 XP. Celui qui murmure à l'oreille des chameaux. Ah, d'accord. Le berger, ravi, vous invite chez lui. Vous partagez un copieux repas de fête. Après votre repas, vous huilez vos armes et vérifiez le reste de votre équipement avant de prendre congé de votre hôte. Ouais, c'est ça, ça a réparé tout mon stuff. Et j'en ai deux, compris un level. Nice. Les dégâts au couteau, les critiques au couteau, ouais, bah, tout le monde sait qu'il faut augmenter du critique. Hein. Alors attention, lui après il est pas au stylet. Ouais, j'ai envie de t'augmenter tes dégâts sur toi. Parce que t'es pas au stylet, c'est le stylet qui a un pourcentage de dégâts plus élevé, je crois. Ferme-moi ça, je crois. Chance de crit 17. Ah, 17 c'était quand même pas mal. Hein. 17, je peux revoir ton niveau. Gros, arborescence. Plus 14. Ah, il a augmenté quand même à 30 et quelques. Ouais, ça valait le coup. Je peux pas bien sûr revenir en arrière, c'est mort. Bon, bah c'est mort, c'est pas grave. Des gaz et des fusils d'assaut, plus 4. Mais t'as pas de fusil d'assaut, gros. Ah, c'est un, si, c'est un fusil d'assaut, d'accord. Ok, très bien, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc dégâts au fusil d'assaut ou valeur de crit en vrai. Les dégâts purs, ça fait assez de dégâts comme ça. En plus, c'est un antifasciste. Voilà, vraiment, ça sert à rien de lui rajouter du critique. Bah, vaut mieux rehausser ses dégâts et de pouvoir maintenant être sûr de one-shot systématiquement tous les mecs qui se présenteront. Tiens, d'ailleurs, hop, prends ça, mon gars. Et te remettre une grenade, et on est pas mal. Et Natalia, t'es à 256 sur 450. C'est pas mal, hein. On avance, hein. Ah oui, mais c'est les autres gars qui ont un niveau en retard, je crois. C'est les deux gars, je crois. C'est eux deux qui sont en retard. Un camp dans le désert. Vous tombez sur un camp militaire allemand. Les soldats passent le temps au milieu des ruines. Ils ne vous ont pas repéré. Franchement, il y a un mec de choc, tout ça. Allez, on se barre. Moi j'ai encore du carburant, je suis pas pressé. Alors, un bunker dans le désert. Vous manquez presque l'entrée du bunker à moitié caché parmi les dunes. Vous explorez l'étrange complexe, mais vous ne trouvez pas âme qui vive. Et là c'est notre premier vrai affrontement avec des zombies obligatoires. Au lieu de cela, vous tombez sur une scène d'horreur épouvantable. Des cadavres abominables mutilés, des marques de sang, des signes évidents de lutte désespérée. Que s'est-il passé ici? Vos pires craintes ne pourraient pas vous préparer à ce que vous trouvez dans la pièce suivante. C'est parti. On est parti. Café. Ok, planification phase. C'était quoi? Mais je peux pas voir ce que t'es. Je dirais que t'es un porteur de sport, mais. J'ai pas trop envie de me mettre au contact sur une bestiole comme ça, quoi. Il va falloir l'éclater, hein. De toute façon il n'est pas trop chaud. On voit lui là. Lui ouais c'est des porteurs de sport. Oh ta mère. Ta mère le porteur de sport. Porteur de sport extrême. Ah 100% de chance. Vas-y hein. Et toi? C'est quoi le pourcentage? Non mais juste ça. Et tu peux juste pas tirer donc de toute façon voilà, ça règle le problème.
Ah, ouais, je pourrais déjà aller aggro les deux cons là-haut, ceci dit. On va venir me mettre par là. Essayer de te glisser une cartouche. On est à 100%. Hein? D'accord, se déplacer si elle veut. Abigail, il a tiré, mais il peut quand même se déplacer. Ok. Elle vient là. Là il y a des moches. Ah bah on peut pas tirer dessus. Ils sont trop loin. Pareil que son pompe tire pas ouf quoi. Du tout. Il nous faut vraiment démarrer dans un coin. Il est dans le petit coin. Ok, donc lui c'est le crasheur de bulletproof. Le crasheur de bulletproof. Vas-y. Normalement il explose lui, non? Ouais, c'est ça, il explose. Par contre, toi tu n'exploses pas. Toi t'as combien de vie? 28. Coup de couteau dans la glotte. Ok, on est bon. Il reste 4 zombies. Il doit rester un crasher dans leur groupe. Et le porteur de sport dans tous les cas. Ah bah, y avoir du monde dans la salle principale, ça va être terrible. Sur la pièce, on bouge pas, on reste cool. Okay. Moi j'ai envie de redescendre le couloir principal. Ouais, putain, ils sont là. Ouais, barrons-nous. On est trop près en fait pour pouvoir les saucer convenablement. Qui peut tirer là-dessus. Oh, et toi c'est mort, t'as pas la bonne place. Et toi. Oh, ouais d'accord, il erre quoi, mais littéralement quoi, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils branlent les mecs? Je sais pas ce qu'ils branlent, mais ils le font. Hein. Ils le font, ils sont à fond. Hein. Pas dû te déplacer en premier, mais bon. C'était pas mon meilleur choix. Tac. Formation collée serrée. Hein. Formation collée serrée. Zombie de base. Ok. Zombie de base. Le crasher. Il arrive dans notre dos. Et le mec des sports il bouge pas hein. Il était là normalement. Il est là. Crasher va revenir, il backdash normalement. Non, il backdash pas. Oh, si, il backdash. Je savais. Je savais que t'allais backdash. Je l'avais senti au fond de moi. Le truc, c'est que je peux pas te close, sinon tu vas me péter à la gueule. Donc, hop, je bouge. Je coup de couteau celui-là. Coup de couteau celui-là. Si. Le strike. Oh, la double cartouche quoi. Double cartouche. C'était beau.
Bon voilà, ça s'est bien passé. On a pris quoi? Un seul dégât, un seul tir quoi. Ils ont vraiment dû gérer le tir en premier parce que c'est vrai que le sport en fait il bouge pas quoi. C'est marrant parce qu'il compte pas en fait, j'ai l'impression ce mec là. Après, est-ce qu'il génère des zombies au fur et à mesure? Je sais plus. J'ai pas l'impression qu'il sert vraiment à grand chose. Il faudrait que j'aille consulter. Tiens, on va consulter le bestiaire. On va consulter le bestiaire, voir s'il est dedans et si on apprend quelque chose dessus là. Parce que pour moi, il est un peu fou ce mec. Alors, tous les loots, les louloutes. Bah alors déjà une grenade ça c'est beau quoi. Une munition. Vieux fusil nul. Mais genre vieux fusil nul quoi. Ah non. Pas vieux fusil nul. Plus de portée, plus de crit et plus de dégâts. Mais je suppose que t'es un double canon. Ah non, le chargeur la même. Mais non. Mais super. Mais ça c'est super. C'est mieux. C'est quoi ça dans le butin? Pas besoin de grenade hein, vieux. Hein. Non, t'es sûr? Parce que sinon t'en prends une frère. Y'a pas de soucis. Y'a pas d'embrouille. Très bien. Bon, on est bon, on est bien. T'as 60 munitions, je suis au max. Je suis au max en munitions, faut arrêter. Je suis au maximum. Donnez-moi des trucs utiles, je sais pas, du fil à coudre par exemple. Un petit troupeau de chèvres broute les broussailles devant vous. Les animaux décharnés vous regardent avec curiosité avant de retourner à leur maigre pâture. Ah, et tu sais qu'avec leurs poils, on peut faire du fil. Le mec en est là, tu sais. Ouais, je voulais jeter un oeil sur Zombie Man. Ah, ils appellent ça la confrérie. Véritables objectifs de la confrérie de Konesh restent enveloppés de mystère. Mais ce mystère couvre de détestables rumeurs. Des rumeurs capables de vous priver de sommeil et de ronger votre âme. D'accord. Donc les zombies. Bêtes, moches et méchants. Les infectés. Ouais, je sens, les infectés jouent visiblement un rôle important dans leur sinistre plan de bouffie et putride. Ils répandent leur maladie en crachant une bile putrescence. Une bile putrescence. Putride. Une bile putride, tout court. Ou putrescente, mais pas putrescence. Sur leurs ennemis. Les porteurs de support. Ces rituels innommables ont permis à la confrérie de créer une abomination parasitaire qui paralyse ses ennemis avec un nuage de spores toxiques. Quelle abomination possède ces âmes malheureuses? Quelle monstruosité leur métamorphose révélera-t-elle? Eh, c'est ça, je crois. Ouais, il crache un gaz. Et ça, c'est quand il l'a craché, je crois. Après, il peut plus le cracher. Et ça me bloque un perso qui peut plus se déplacer. C'est vrai. Alors que vous quittez les collines rocailleuses, vous remarquez un nuage de poussière qui approche à grande vitesse sur votre droite. Sur une piste sableuse, parallèlement, vous voyez une voiture de patrouille allemande lourdement chargée. Son conducteur a été repéré et tente de s'échapper. Après plusieurs minutes d'une poursuite endiablée, il semble que le véhicule ennemi va parvenir à vous échapper. Mais son conducteur n'a pas repéré un rocher sur le bord de la piste. Le véhicule fait un tonneau et se stabilise sur le flanc. Quand vous sortez de votre véhicule, vous découvrez le corps de son conducteur pendu à travers le pare-brise. Des flammèches s'échappent du capot et un petit panache de fumée s'élève vers le ciel. Vous remarquez la cargaison du véhicule, il est chargé de bidons d'essence. Comprends. Tu crois à mort? Pereira, tu crois à mort? Avec le courage que donne le désespoir, vous vous précipitez vers le véhicule en feu. Vous arrivez trop tard, une énorme explosion déchire le véhicule de la Wehrmacht. Le souffle de l'explosion vous jette au sol. Vous levez les yeux pour voir Pereira transformé en torche vivante qui se roule par terre dans le sable. Vous couvrez frénétiquement de sable ses vêtements en feu
Et trempé d'essence, mais les brûlures de Pereira sont graves et vous n'avez pas vraiment les moyens de les traiter convenablement. Mais ça t'a pas enlevé de points de vie. T'es gravement brûlé, mais ça va. Alors, d'accord, mais ça fait quoi les brûlures graves? Moi je veux bien. Vitalité moins 1. Ah, ok, d'accord. Ça nerf ta vie quand même. Ok, oui, du coup maintenant t'as le nombre de PV du médecin, ok. Ok, d'accord. Donc ouais, c'était pas non plus une blague. Allons-y. Voilà, gros stuff. Un camp fortifié, le camp devant vous est rempli de caisses et de fûts de carburant. Vous voyez aussi des camions et des voitures à proximité. Il n'y a aucun doute, vous avez trouvé un important dépôt de l'armée allemande. J'ai pas d'ombre dans mon groupe. Il y a peu d'activité dans le camp et il est tout à fait possible que vous puissiez atteindre le ravitaillement sans être vu. Moi, j'y crois pas. J'y crois juste pas. Je fais le malin, j'ai plus d'armure, j'ai plus rien. Vas-y, je veux, on se retire. En vous arrêtant, vous observez un cactus solitaire planté au milieu du désert. Vous hochez la tête et poursuivez votre voyage. D'accord. J'ai croisé un cactus. Nice, trop bien. Vraiment, vraiment, ça a changé ma vie, quoi. Alors que vous atteignez les abords d'un village abandonné, un coup de fusil claque quelque part. Vif comme l'éclair, vous quittez la piste et sautez de votre véhicule en plongeant derrière un muret pour vous abriter. Quelque part dans les ruines, une voix s'élève. Le colonel von Orson avait raison. On nous suivait. Je pense que pour régler ce problème, ouvrez le feu. Un soldat de choc, un officier, deux mecs normaux. Normalement, il y en a plus, je crois. Je crois pas qu'ils sont que quatre. Il doit y avoir au moins un chien, je pense. Peut-être un autre soldat. Et là, sinon, c'est un peu léger. Hein, ils sont vraiment que 4. Oh. Oh. Ah. Oh. La belle. Et celui qu'on voit pas, donc, c'est l'officier. Ok. Et ben, j'ai envie de dire going too fast. Hein. Pas trop à discuter. Ah, mais tu vas te faire prendre le boule par l'autre là-haut. Ah, il faut que je fasse gaffe de pas me faire prendre le boule par lui là-haut. Ok. Bon, tu vas quand même aller là. Tu peux tirer sur personne. Yes! Yes! Mets-toi en profil furtif. Là, lui pourrait tirer, je crois. Ouais, si je te mets là, tu peux tirer celui d'en haut. Sûr, en tout cas c'est sûr. Sûr, tu peux le tirer. Ah, tu peux tirer sur. Celui-là est super loin, ce con. PV. Ah, et tu peux plus faire cette action. Mince. Mince, mince, mince. Vieux, tu peux. Ah, parfait. Magnifique. Est-ce qu'on a de PV à ce coup? 13. Bon, on sait pas combien ça fait. Tu vas venir là. Je vais lui mettre une balle.
tu vas venir là. Tu peux lui mettre une balle, mais tellement à portée. Alors ça, c'est une balle à portée. Voilà. Pas te la faire. Moins 43. Ah, c'est sale. Ah, il est sale. Ah, c'est vrai qu'il custom un peu les armes maintenant quand il tire sur le. C'est vrai qu'il y a un petit bonus de dégâts. Donc, bon, l'autre naze, on sait qu'il est, il est tout en haut. Hein, donc, hop. On va rush. Mais on va recharger. Il y a quelqu'un quand même de très compétent. Donc là, pareil, tu recharges tranquillou. On va attendre Miguel. Et on attend Miguel. Oui. Et l'autre, il s'est tellement caché, quoi. Il veut plus venir. Hein. C'est non, j'ai peur pour mon boule. Est-ce que c'est mon dessert, vieux? Toi, je vais te faire passer quand même devant. Je pense qu'on va quand même t'avancer un peu. Ouais, je le vois pas. Je sais pas où il est. Il bouge pas. Mais aux dernières nouvelles, il était là-haut. Donc, Oh, coucou! Eh, coucou, hibou! Je suis désolé de te dire ça, mec, mais t'es mort, hein, je crois. Ah, peut-être pas. Il reste combien? 22 PV. Du bâtard! Tu réussisses. 48% de chance de mettre une fin à cette histoire. Raté. Zé raté. Il est pas mort. Ah, le sac. Ah, le sac. T'as mérité de le finir au couteau. Hein. Clairement. Bon, je pourrais aussi le laisser mourir et le laisser se vider de son sang. Yes. On y va. Ah, Miguel, t'as raté la balle providentielle, hein. Fallait pas la merder celle-là. Hein? Comment ça on peut tirer sur deux ennemis? Non, on peut tirer que sur un seul ennemi. Puis celle-là ont la capacité spéciale de tir double. Elle permet d'effectuer deux tirs à la hanche en succession rapide sur deux ennemis. Hein, sur un seul ennemi. Dans l'étui à cartes de l'officier, vous trouvez des pages déchirées à une bible. Vous étudiez les pages de... et vous découvrez un passage souligné au crayon. Et l'éternel Dieu dit « Voici, Adam est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » Il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin des chérubins d'Éden, et une épée flamboyante qui se retourna sur tous les chemins, pour garder le chemin de l'arbre de vie avec la colère de Dieu. Vous secouez la tête perturbée. En vrai, ça voulait pas dire grand chose, je suis d'accord. Je suis d'accord avec mes gars. Oh, une armure! Oh, le... Ouais, mais je crois que personne peut la porter. De la réparation, des balles. Ouais, vas-y, des balles. Ça fait 4 cartouches, toujours ça de prix. Ok. Pas utiliser de grenade, hein. Ça nous a manqué. Hein. Et bah, c'est tout pour cet épisode, puisqu'on va sur l'autre map. Donc, moi je vous retrouve dans un autre épisode pour cette map là. Voilà. Je vous fais des bisous. C'était Knarfand. Passe-way. Ciao.